bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. La lumière est bizarre ici, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui je veux aller, je pars prendre ma copine Janie, elle est venue de Belgique, elle est venue visiter, alors je vais le prendre à la gare et puis on va visiter la ville, une petite ville de la ville, ça fait un peu du bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai visité Ottawa. Normalement je passe, mais j'ai vraiment comme être dans la peau d'un touriste, j'ai jamais fait, bon, une fois. Mais aujourd'hui on va le faire quand même. On va visiter un peu la ville et puis on va faire d'autres activités. Alors je vous amène avec moi. Let's go. Regardez, je suis avec qui? Chimba. Germaine. Zouate. Janie en Tao, parle-moi. C'est les gens qui ont été en train de se faire. Oui, non, quand c'est que tu es là, on est dans tout là-haut. Tu viens avec les enfants ou pas? Non, on allait aller dans les parcs, dans les musées. Ouais. Ça, on appelle ça le feu éternel. Ça c'est un parc, non? Ouais. Parlement. C'est beau, hein? C'est beau la nature. So we'll get started shortly. Nous allons partir bientôt. Alors juste à votre gauche, vous avez le monument commémoratif de la guerre, dévoilé en 1939 par le roi George VI, en hommage à tous ceux qui ont contribué à nos guerres. Où siège notre gouvernement? Avec l'édifice Est, Central et Ouest. L'édifice Est et Ouest ont été complétés en 1865 et c'est où ce qu'on retrouve des salles de comité et de rencontres. Alors ici, on a le centre du Parlement avec la Tour de la Paix qui est malheureusement fermée depuis 2019 pour des rénovations qui dureront jusqu'à 2032. Alors ici à la gauche, on a la Banque du Canada que vous pouvez visiter gratuitement, mais malheureusement, ils ne donnent pas des échantillons gratuits. Alors l'entrée du Musée canadien de l'histoire est à la forme d'une tête de tortue qui symbolise la mère nature. Nous sommes sur la rivière des Outaouais. Saint-Laurent, près de Montréal. Pour la majorité de sa distance, c'est ce qui sépare la province de Québec avec celle de l'Ontario. The small boat ahead on the right was used to take the picture of the back of the Parliament, which was the picture we had on our old Canadian dollar bill. For centuries, early European explorers, guided by the Native Canadians, used it in the 1500s to make their way into what is now Canada. From the
from the 1600s to the 1700s, tons of fur were shipped by canoe down the river, bound from Montreal and Quebec City as part of the fur trade. In the 1800s to the mid-1900s, hundreds of thousands of logs were floating down the river, bound again from Montreal and Quebec City, to be later on shipped to Europe to build the Royal Navy. Alors nous allons encore une fois voir le Château Laurier, qui a été nommé après le premier ministre francophone, Sir Wilfrid Laurier. Alors ici, à la droite, on a le Conseil national de recherche Canada, l'institut principal de recherche scientifique, où on a créé le simulateur cardiaque et le Canadair, le bras robotique qui a été utilisé par NASA. Insight. Alors ici, à la gauche, on a la Basilique Notre-Dame, une des églises les plus anciennes de Ottawa. Le bois est de toute, l'intérieur est de toute beauté de bois sculpté et peinturé à la main, ce qui en fait un site populaire pour les mariages. Alors, la grande sculpture d'araignée s'appelle Mama, elle symbolise la maternité. Looking the river, the library, etc. Alors ici, on a le parc Major Hill à la droite, qui a une très belle vue de la rivière, ainsi que la bibliothèque. Next on the left is the Connaught Building, Revenue Canada, where we pay our taxes. It is called the Connaught Building because once your money goes in there, it cannot come back. Alors ici à la droite, on a le Revenue Canada, dans l'édifice Connaught, où l'on paye nos taxes.